Coucou les garçons. Comment ça va aujourd'hui? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? Oui, tout à fait, on est aux Pays-Bas, au parc d'attractions Efteling. C'est un parc sur les contes de fées. Et effectivement, vous allez voir les copains et les copines, ça va être féerique. Vous êtes prêts? On les emmène? Prêts. Allez, on part tous ensemble à Efteling, c'est parti. Allez. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence bien. Regardez un petit peu à quoi ressemblent les vitrines ici. Oui, je pense qu'on va être bien. Ici, c'est la clé du gros coffre qui est derrière. Regardez comme il est immense. Alors, Swan essaye d'activer la clé. Elle bouge ou pas? Elle bouge pas? T'es sûr qu'il y a un dragon? Qu'est-ce que c'est? On a entendu surtout. C'est toi qui as libéré le dragon? Attention hein. Ça y est, ouf, il est refermé. Il fallait actionner la clé pour le faire sortir, c'est ça? C'est très joli, on dirait des papillons. Ouais, c'est vraiment superbe hein. Papier, yeah. Hey, papier, yeah. Hey, hey, papier, yeah. Normalement, c'est une poubelle hein. Hey. Hop, papier, garde ça. Yeah. Merci. Hey, hey, thank you. Il te remercie à sa façon, tu vois. On va voir un petit film en 3D et dans la file d'attente, on rencontre une copine. Une petite copine. Elle est belle, dis donc. C'est bon, tu pars en voyage? Voilà, je pense que c'est la bonne monture. Pourquoi elle avance pas? Mais tu sais, c'est une tortue quand même. On croise aussi une fontaine éléphant. Très original cette file d'attente. Oh, oui, c'est vrai, il y a des branchages aussi. Il y a même de la fumée. Ouh, mais où allons-nous donc? On va passer dans une grotte. Oh, mais c'est super ça. Allez, viens, on va dans la grotte. Oh, c'est superbe. T'as vu ça comme c'est joli? Regarde. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment joli hein. Swan est parti là-dedans. Il veut faire le toboggan, le grand toboggan. Alors on va le récupérer à la sortie, c'est par ici. Oh, c'est super joli. C'est trop mignon, regardez. Trop sympa. Voilà, il devrait pas tarder à arriver normalement. Wouhou ! Et te voilà. C'était bien ce toboggan ? Ouais, il était génial. Maintenant, je vais faire le moyen. D'accord, petit chou, va vite. On va les faire tous. Oui, d'accord, mon cœur, si tu veux. Allez, c'est parti. C'est plus rapide. Ah, c'est bien. C'est plus rapide. C'est plus rapide, d'accord, petit cœur. Si on veut, on peut se réchauffer avec un bon feu de bois. Ah, ça fait du bien. Alors ici, on peut même faire du ski de fond si on veut. Donc l'hiver Efteling, tout est possible. Hein. Il y a de la neige un petit peu partout. Et il y a un bonhomme de neige géant qui est trop beau. Ici, nous sommes chez Aladdin. En fait, on arrive vers le temple des mille et une nuits. Les contes des mille et une nuits, je pense que vous connaissez, les copains et les copines, ça doit vous parler. Donc c'est très joli, c'est tout thématisé. Vous voyez les couleurs, les formes, etc. On s'y croirait. Et donc là, on va tester une attraction sur le thème des contes des mille et une nuits. Allez, nous rentrons. Les garçons ont déjà dû partir, on va prendre des petits bateaux. Nous sommes montés dans l'attraction et nous sommes dans un petit bateau. Nous sommes bien installés, coucou. Vous êtes prêts pour la balade? Oui. Alors, on nous a dit que ça durait 8 minutes. Ok.
Donc c'est super long hein, pour une attraction. Alors on va voir ce qu'on va découvrir pendant 8 minutes de promenade en bateau. Ah, voilà, on arrive. Oh, c'est joli. On est dans une forêt. Dans la jungle, oui, t'as raison, on est dans la jungle, Swan, tout à fait. Ah, voilà quelqu'un. On fait au moins une rencontre. C'est un magicien. C'est un magicien, tu crois? Oh, regardez, joli. Attention. Que c'est joli. Ah, petit chien ici. Oh, il y a même des chameaux. On se croirait à Agrabah. Oh, ils font la manche. Ah oui, regarde Swan, les chameaux. Ah, c'est joli. Et le petit âne. Oh, que c'est beau là! Waouh! Oh, c'est bien fait, on s'y croirait! C'est le marché? Ah, ils vendent des potions lui! Et là, ils vendent des tapis volants, regarde, ils bougent! Des tapis magiques! Oh, il y a des crocodiles! Génial. C'est bien, hein? C'est un truc de fou, hein? C'était très très beau. C'est la rencontre.
Tu veux la refaire? Moi aussi. Un petit cœur. Oui, on va essayer de la refaire. Oui, oui. C'était bien, hein? Génial. Impressionnant, très sympa. Super. Nous allons maintenant tenter cette attraction, c'est Carnaval Festival. Allez, c'est parti! Vous êtes prêts? Allez, on va démarrer l'attraction. Oh, c'est mignon, tous les drapeaux. Allez, hey, on est parti. Génial, maman. Ah, d'accord, petit cœur, si tu le dis. Hop, voilà, on est installé là-dedans. On a un petit bonhomme devant. Allez, nous démarrons. Oh, c'est mignon. C'est plein de couleurs. Regarde, Néo. Tes animaux préférés. Ils chantent. Ah, c'est la Hollande, là. Oh, c'est rigolo. Hein. C'est tout mignon. C'est un bel épouvantail, là, dis donc. Oh, c'est mignon comme tout. Oh, il est beau celui-là, dis donc. Alors, on change de monde. Regardez, c'est la Belgique avec les cornets de frites. On retrouve les frites. C'est chouette. Oh, c'est la France, ça. Regardez. Avec le French cancan et les cœurs. Ça reprend tous les pays, regardez. Oui, bien joué, Swan. C'est le Royaume-Uni, en effet. T'as raison. On reconnaît le drapeau là-haut. Ça, c'est l'Écosse, avec les cornemuses et l'Écossais. Ça, je pense que c'est l'Irlande. T'as vu la bière? Eh oui. Celui-là. Oh, c'est mignon, regarde. C'est la Suisse. C'est la Suisse, ça, Néo? Ah oui, c'est la Suisse. Et là? Ah, c'est facile, là. Regardez, c'est Venise. Et la tour de Pise, bien sûr, c'est l'Italie. On va se faire croquer, Swan, attention. Je compte, 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 compte. Ça y est, on est croqué. Ah, regardez, on arrive. Nous voici au Japon. C'est super bien fait. Ah, regardez comme c'est beau. Ah, là c'est la Chine. Ah, comme il est beau. Magnifique dragon. Très chouette ça. Oh, c'est joli là aussi. Non, pas l'Afrique du Sud, chérie, c'est le pôle Nord, ça. L'Afrique du Sud. Petit cœur. Petit flocon. Petit bout de chou, il apprend la géographie. Oh, ils sont marrants, ceux-là. Ils se cachent au plafond, regardez. Alors, c'est original, les copains et les copines, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais là, on est allongé carrément dans l'attraction pour pouvoir voir le plafond. Oh, c'est joli! L'Afrique du Sud là-bas. Ah, trop bien fait! Superbe! Ah, c'est le Mexique! En fait, c'est Small World! En quelque sorte!
Regarde comme c'est joli. Là, c'est tous les pays en fait, regarde. Ah oui, le français avec sa baguette évidemment, et son béret. C'est fou cette image quand même. Le français avec son béret, et oh, c'est il y a longtemps ça. Hein. Oh, aloha. Et voilà, on a fini l'attraction. Comment vous avez trouvé? Génial. Ah, ça vous a plu? Très sympa. On révise la géographie, c'est très bien. Oui, c'était sympa comme tout. Alors, on a vu les Français avec leurs baguettes, toujours, hein. Baguette béret. Mais du coup, c'est très sympa ces attractions. C'est vrai que ça permet de faire un petit tour du monde. C'était très joli, plein de couleurs. Ça nous a bien plu. Alors, regardez comme c'est rigolo. Bonhomme sur le poisson géant. Et en dessous, hop, il y a un petit poisson qui avance et qui fait le tour. C'est super bien fait. Les petites lampes se sont allumées, regardez comme c'est joli. Et là-bas au fond dans l'arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les lumières qui tombent. C'est super beau. La nuit tombe sur Efteling et ça devient vraiment magique. Encore plus magique que tout à l'heure, avec plein de jolies lumières. On arrive dans un endroit superbe, vraiment magnifique, avec plein de petites lumières partout. C'est très joli aussi. Et il y a un château, comme un château de glace au fond. Bon, c'est pas de la glace, mais ça ressemble. Les garçons sont partis faire la file d'attente. Ils vont tester la descente en bouée. Allez, c'est parti. Voilà Néo, avec sa bouée. Et petit Swan, qui s'efforce de faire avancer la sienne. Voilà, c'est parti pour Swan. Oh là là, c'est parti pour Swan déjà. Wouhou. Et Néo arrive aussi. Et voilà. C'était comment ce petit tour de luge? Ça t'a plu? Ça a fait hyper peur parce que je suis allée à l'envers. Là, c'est la petite pause. Chocolat chaud avec bien sûr un max de chantilly. Oh, on les voit les gourmands. Après un bon cacao chaud avec beaucoup de chantilly, nous quittons ce lieu enchanteur. Toutes les lumières brillent de partout. C'est trop beau. Trop trop joli. Et là, on continue notre découverte de ce joli parc. On pense avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Enfin, on pense, hein. Donc apparemment, il faut mettre une pièce de 1 euro. Allez, Néo tente sa chance.